أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous avons terminé avec les droits et les responsabilités que chaque personne a envers son frère, son ami. Aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu, avoir des échanges sur la question de femme et également la famille, ça veut dire les enfants. Pour la question de حقوق الزوجة, les droits de la femme, ou حقوق الزوج, le droit de l'homme, je pense dans ce livre, il n'a pas vraiment étudié cette question en détail. Il n'a pas voulu étudier cette question en détail. Il est passé très très rapidement. Mais cette question, il a été traitée chez certains savants, et je pense que c'est parmi les devoirs de n'importe quel jeune homme qui veut se marier, de lire et de savoir c'est quoi les droits d'une femme et qu'est-ce qu'il doit, lui, envers son épouse en futur. Il y a des choses dans l'islam, vous pouvez dire j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie d'étudier, c'est pas des choses que je vais fréquenter dans ma vie. Il y a des choses comme ça. Par exemple, la question de certaines questions très compliquées dans la philosophie ou dans la réalité de création, ou haqiqat al-khalq, ou est-ce que le Coran il a été makhlouq, ou est-ce que le Coran. Question de qadim al-zaman, qadim al-makani, etc. Des questions de haqqaïd qu'on étudie dans haqqaïd, mais vraiment c'est des détails compliqués que les ulama, ils ne vous obligent jamais et ils ne vous demandent jamais de absolument étudier ce genre de questions. Mais il y a des questions très fréquentes. Par exemple, question de shakiyat al-salah, les doutes de la prière. Tu ne peux pas dire, je ne vais pas étudier, je ne vais pas avoir des doutes. Non, normalement, ça nous arrive de douter sur la question de raka'at al-salah, les raka'at de... Ça, c'est dans la jurisprudence. Également, dans l'akhlaq, la vie morale, ou notre vie morale ou relations sociales, etc., il y a des questions qui sont très très fréquentes. On ne peut pas s'échapper, en fait. On est obligé à bien étudier, bien travailler avant de rentrer dans la vie.
Par exemple, justement, Hukuk al-Ikhwan qu'on a parlé, tu ne peux pas dire j'abandonne tout le monde et je vais vivre tout seul. Ça n'existe pas. Comme il racontait quelqu'un, il disait, un homme, il en avait marre de la société, de ses amis, des frères et tout. Il a abandonné tout le monde, il est parti vivre sur une île, ou une île très très loin, très très loin, tout seul comme ça. Et le lendemain matin, il voit quelqu'un juste à côté de lui, il dit, pousse-toi un petit peu tes affaires, je vais m'installer juste à côté de toi. Donc, c'est une réalité où tu veux partir. Tu peux pas abandonner tout le monde et partir très loin. Tu es obligé, à l'insan, parmi les définitions de insan, qui disent les ulama, ils disent l'once aussi. C'est la question de vraiment, justement, l'habitude de vivre ensemble avec les autres. Et le madaniya, c'est ça. Après, les ulama dans tafsir du Coran, ils étudient la question de nécessité de vivre ensemble pour l'homme. Ça, c'est parmi les questions à la kulli hal qui doit être étudiée fi mahalli. Donc, parmi les devoirs, c'est nécessaire à connaître et savoir, c'est je veux me marier, donc qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter avec mon épouse. Surtout pour les jeunes qui viennent de se marier, ça c'est très nécessaire. Ma femme, tout d'un coup, en train de marcher avec elle, par exemple, dans la rue, tout d'un coup, il me dit, ça ne me plaît pas telle chose, ça me plaît comme ça, et il me fait la tête. Comment je dois réagir? Certains, dans l'expression perse, il te dit, le chat, tu dois le tuer au jour de mariage. C'est une expression perse. Dis-moi, c'est. Voilà, donc. Voilà. Donc, apparemment, mes expressions, des fois c'est libanais, des fois c'est irakien, des fois c'est iranien, je ne sais pas, c'est très trop de mélange. Mais les Iraniens, ils ont très, très. Ça ressemble à ça, mais un peu plus détaillé, si vous voulez. Gorbaro, Damehejdash Poet. Voilà. Donc, le chat, on se débarrasse. La veille de mariage, comme ça, elle comprend. Elle comprend les choses. Si dès le départ, je dis, d'accord, comme tu veux, il y a aucun. C'est leur opinion. C'est considéré comme opinion chez certains. Ils disent, ça y est, c'est fini pour toi. Toi, tu es un esclave. Et les Perses, ils disent, Zanzalil, ça veut dire, tu seras vraiment écrasé par ton épouse. Au niveau dans la société, etc. Ça veut dire Zalil, Zalil. Ils disent Zanzalil, mais c'est Zalil. Zan, c'est femme. Zalil, c'est humilié. L'humilié de femme. Voilà, c'est comme ça qu'on va traduire. Donc, il te dit, il faut dès le départ être très sévère et strict, etc. Mais ça, c'est des opinions. Et même des fois, on entend des opinions, la même chose sur les enfants. Il dit, n'embrasse pas ton fils beaucoup. Il dépasse ses limites, il fait la tête, il devient gâté. De temps en temps, tu peux l'embrasser, surtout quand il dort. Comme ça, il ne le ressent pas. Et ça, c'est des opinions mentionnées au niveau d'éducation chez certains pratiquants. Et tu dis, n'embrasse pas l'enfant. Mais on n'est absolument pas d'accord. Vous êtes pas d'accord quand même. On embrasse l'enfant. L'enfant a besoin d'être gâté, d'être embrassé, d'être aimé partout. On a des hadiths. Ailleurs, on aura l'occasion peut-être. Quand tu embrasses ton enfant, c'est considéré une sorte de ibad, de adoration. C'est ibad, voilà le hadith. C'est vrai, c'est une sorte d'ibad. C'est considéré comme ibad, c'est une sorte de ibad. Donc, l'autre, il te dit, n'embrasse pas et tout. Ça, c'est des opinions personnelles qui ont eu beaucoup d'influence dans la société. Donc, les gens, ils ont suivi. Mais est-ce qu'on est d'accord? Non. Pour la femme, comment on doit réagir, justement? Si elle se met en colère ou elle parle mal, etc. L'islam, dans l'islam et dans l'école de Ahlul Bayt, il ne te dit pas qu'il faut tuer le chat la veille de mariage. Il n'y a pas ça. Il te dit. Elle doit comprendre ses limites, tu dois comprendre tes limites. Et dès le départ, être franc et d'être clair. Dès le départ, être clair.
elle a besoin d'être aidée, il ne faut pas avoir peur de l'aider. Ah, oh, cher, si je l'aide une soirée, toute ma vie je vais laver les vaisselles. Non, c'est pas vrai. Si tu travailles à l'extérieur, elle doit comprendre qu'elle doit t'aider à l'intérieur. Si tu n'as rien à faire et que tu es à la maison, c'est normal que tu vas l'aider. Tu fais l'aspirateur, tu prépares autre chose, tu t'occupes des enfants, c'est pas haram, c'est le contraire. Ahlul Bayt, il y a 1400 ans, ils ont été l'exemple de ce genre de comportement. Comment Ali ibn Abi Talib, il rentre chez une femme? La femme, il dit, je ne sais pas, telle phrase agressive ou telle phrase négative, elle mentionne concernant Imam Ali, il dit, le khalife, le calife, il m'a fait tuer mon mari, il l'a ramené avec lui dans les guerres, et il m'a laissé avec des orphelins. Tu vois, ya Abdallah, elle savait pas la dame que c'est, Imam Ali. Après, Amir Mouni dit, qu'est-ce que je fais, ya Amatallah? Je prépare le manger ou je m'occupe de tes enfants? Il dit, non, toi, occupe-toi de mes enfants, et moi, je prépare. Et là, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, Amir Mouni, qu'est-ce que tu fais ici? Et la dame, elle était complètement bouleversée. Toi, tu es Amir Mouni en train de t'occuper de mes enfants? L'imam, sallallahu alayhi wa sallam, dit, bien sûr, c'est mon devoir, puisque tu es dans cette situation et que je ne suis pas, je n'étais pas au courant. Ça, c'est une dame dans la société. Toi, en tant que mari de ta femme, de ton épouse, tu peux pas dire c'est pas mes affaires. Et des hommes, quand l'enfant il est né, ils veulent pas rester réveillés avec l'enfant. Ils pleurent la nuit. Prends l'enfant et sors de la chambre, reste dans le salon. Il ne veut pas dormir, il ne veut pas dormir. Toi, va avec lui. L'homme, il veut dormir. C'est le roi à la maison. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on a d'autres sorts, de l'autre côté. La femme, elle devient la reine. Et l'homme, il devient presque comme un employé chez elle. L'enfant, c'est toi qui la gardes. À la maison, tu dois travailler. À l'extérieur, tu dois travailler. L'argent, tu dois ramener. Tu dois me gâter. Tu dois t'occuper. Vous voyez, il y a des limites. Il y a des limites. Cheikh, rahmatullah alayh, il dit, une femme, si elle manque de respect envers son mari, il doit être patient le mari. Parce qu'une femme, c'est quoi que ce soit le cas, c'est asira inda al-rajul. Elle est considérée comme, pas prisonnière, mais elle est plus ou moins attachée à son mari. Elle n'a pas de vie toute seule. Donc, il le suit partout. Il est dans sa maison à lui. C'est lui qui s'occupe de elle. Donc, il doit patienter. Si jamais elle est en colère, il doit patienter. Et sachez que l'intelligence, c'est dans la patience. Parce que de toute façon, c'est ta femme. Si tu ne veux pas patienter, c'est toi qui es en train de détruire ta vie. Tout simplement. Si tu es flexible et tu es compréhensible, c'est toi le gagnant parce que tu es en train de construire ta vie. Et si tu dis, je divorce, ce n'est pas intelligent parce que ce n'est pas intelligent d'être mutlaq ou quelqu'un qui fait beaucoup de divorces. Et de toute façon, c'est vrai pour une femme, c'est plus compliqué, mais pour un homme aussi, quand il est divorcé, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas dire que non, ça m'est égal complètement. Demandez aux gens qui ont de l'expérience, ils vont vous dire non, ce n'est pas vrai. Tu vis avec une personne pendant 10 ans ou 5 ans ou 3 ans. Ce n'est pas facile de dire parler, changer, etc. À part la question de fait qu'il soit détesté, talaq, à la base. À la con. Après, il dit, فَيَجِبُ عَلَيْكَ إِكْرَامُهَا وَبَدْلُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ لَهَا. Tu es obligé d'honorer ta femme, de dépenser pour ses vêtements et pour ses nourritures. Tu es obligé de le faire. وَأَن تُعَزِّزَهَا عِنْدَ أَقْرِبَائِكَ وَغَيْرِهِمْ. Et là, c'est parmi les points importants. Oui, bien sûr. Elles sont toujours contentes. Parce que même si je parle contre elles, ils ont la philosophie, mashallah, des fois, de tourner les choses, donc de dire, non, cher, il voulait dire. Donc, ne vous inquiétez pas, inshallah. C'est la patience, c'est la compréhension, et voilà votre devoir.
Donc, وَأَن تُعَزِّزَهَا عِنْدَ أَقْرِبَائِكَ. Donc, tu dois l'honorer chez ta famille. Il y a des hommes, il sort avec sa femme, chez sa famille, par exemple, à lui. Devant sa famille, il dit, ma femme, elle ne sait pas faire manger comme toi, par exemple, à sa tante. Franchement, apprends-lui, malheureusement. Ma femme, elle est, je ne sais pas comment. Ma femme, elle est, je ne sais pas comment. Ou, même s'il ne fait pas ça, il ne la respecte pas non plus. C'est comme si elle ne la prend pas en considération. Ben, c'est faux. Parce que premièrement, elle ne va pas trouver sa place chez sa famille. Alaykoum salam. Elle ne va pas trouver sa place chez sa famille. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné une place. Toi, tu dois construire la place de ton épouse chez ta famille. Comme ça, tu es en train de protéger la relation avec ta famille. Attention, écoutez bien, enregistrez, s'il vous plaît, les jeunes. Si tu trouves une bonne place pour ta femme chez ta famille, qu'elle soit respectée, etc., tu as protégé ton couple. Ça veut dire le couple, il est protégé. Ça veut dire ta vie est meilleure. Tu as protégé ta vie toi-même. Pourquoi? Parce que sache. Si aujourd'hui tu as des problèmes avec ton épouse et que tu racontes avec ta famille, chez ta famille, ils ne vont pas l'oublier. Ils vont l'enregistrer, graver sur le pierre, imprimer chez eux, développer avec des détails, même plus que ça, avoir des analyses et des commentaires. Taqarir wa tahalil sur ce que tu avais dit. Et ça, c'est tout est bien noté, enregistré. Toi, le lendemain, ça y est, tout est réglé entre toi et ta femme, et vous avez effacé tout. Ben justement, chez eux, ça ne sera pas effacé. Et tu ne pourras pas l'effacer. Donc, Ayyuhal Akhul Karim, mon frère, fais attention, ne raconte pas tout de suite dès qu'il y a des problèmes entre toi et ton épouse, à ton père, à ta mère, à ta sœur, à ta famille. Non. Essaye de cacher justement. Regarde celui qui est en train de noter là, qu'Allah le protège, il est gagnant. Parce que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas expérience personnelle, c'est expérience de tous les savants que j'ai fréquentés dans ma vie. Ça a enregistré dans votre tête. Je connais même des ulama qui n'ont pas respecté, qui ont perdu leur femme après. Alim, Shaykh. Il racontait les problèmes de sa vie à sa famille. Et Alem, il est cheikh. Mais on ne sait pas. C'est pas un cheikh, il ne sait pas tout. Un psychologue, il sait tout. Des fois, un psychologue, il a besoin d'un psychologue. Ou vous n'êtes pas d'accord. Il y a des psychologues qui vont chez des psychologues. Parce que lui-même, il ne comprend pas dans sa vie quotidienne ou dans ses comportements comment réagir. Ne dévoile jamais les défauts de personne, surtout ta femme. Elle a des défauts, elle a des défauts. Et elle, de la même façon, si elle dévoile, si elle raconte les défauts de son mari, elle est en train de détruire sa vie à elle-même. Améliorez-vous entre vous, mais arrêtez de raconter vos histoires aux autres. Et si jamais ça arrive, Cheikhana, dans des situations très complexes, très difficiles, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vous cherchez un homme, Amin. Amin, c'est quoi? Confiance. Un homme de confiance. Ou une personne de confiance. Et vous racontez juste la partie nécessaire pour résoudre le problème. Si c'est nécessaire de raconter, par exemple, 30% de problèmes, c'est bon. C'est pas la peine de tout sortir devant la personne, même s'il est un homme de confiance. Et alors? Allah satara aibak. Allah a caché tes défauts. Toi, tu veux le dévoiler? Alors que ce n'est pas nécessaire? Si c'est nécessaire, c'est autrement. Wa an tu'azzizaha 'inda aqribaika wa aqribaika wa ghayrihim. ويجب أن لا تتعامل معها على نحو تزول معه سيطرتك
بالمرة فترى نفسها مختارة في تصرفها بالأمور. Ça, cette phrase, si vous le dites comme ça, vous traduisez en français, ils vont dire, oh là là, regarde les hommes arabes, comment ils réfléchissent. Ou les musulmans. Ils veulent dominer sur son épouse. Non, ce n'est pas ça qu'ils veulent dire. Il doit diriger, il doit piloter, on peut dire piloter? Il doit piloter, en fait, la vie en couple. L'homme, il doit piloter. Mais ça ne veut pas dire qu'il va donner des ordres et elle, comme esclave, elle suit. Non. Il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de con. Elle n'est pas servante chez toi, elle n'est pas l'esclave. Mais tu pilotes, c'est normal. Qiyadat al-mashru' az-zawj. Donc, parmi les défauts, il y a des hommes qui ne mélangent pas leur vie au niveau de finances avec son épouse. Ils séparent tout. Il y a des gens, malheureusement, ils divorcent au niveau d'administratif pour avoir un peu plus de l'argent. Et moi, je le dis parce que je suis contre. Et je déconseille absolument aux frères et aux sœurs de le faire. Séparation. Non, pas séparation de biens. Séparation de biens, c'est au niveau de... le fiqh, c'est bien. C'est bien. Parce qu'une femme, si elle a une maison, elle n'est pas obligée à te donner sa maison. Si elle gagne de l'argent, elle n'est pas obligée à donner tout ce qu'elle gagne. Elle peut dépenser, elle peut ne pas dépenser. C'est ton devoir de dépenser sur elle. Mais séparation de biens, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas de séparation de biens. Je parle de séparer les dépenses comme si chacun de son côté. Ça, ça pose des problèmes. Parce que quand ton épouse, elle sent que elle dépense de son côté, toi, tu dépenses de ton côté, déjà, ça commence à mettre, qu'est-ce qu'il met entre nous? Voilà. Pourquoi? Pour gagner 200 euros de plus. Parce que si on divorce, il me donne un peu plus. Et finalement, je vous dis, je vous le garantis, c'est négatif. Le problème de l'argent, c'est parmi les problèmes de ulama, fuqaha, politiciens, économiques, tous les genres de personnes, si vous voulez. Quand l'argent, on parle de l'argent, ça commence la foi à sauter dans l'air. Al-iman yatatayar ma'a dhikri al-mal wal-dhahab wa bariq al-dhahab wal-fadda. Quand il brille là, l'argent et l'or, malheureusement, il met en question la foi. J'étais au Cameroun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège Hajj Mamadou. Il y avait un Hajj là-bas qui s'appelait Mamadou. Il est toujours présent là-bas. Son fils, il est un sheikh maintenant, mashallah. Il a étudié à Najaf, il a étudié. Vraiment, il a avancé beaucoup. Il s'appelle Sheikh Koumeil. Certains parmi vous, peut-être, vous le connaissez. Je ne sais pas, toi, je sais que tu le connais. Il y a certains frères, ils le connaissent. Donc, Sheikh Koumeil, son père, il s'appelle Hajj Mamadou. Quelqu'un de Koweït, à l'époque, il voulait ramener de l'argent, Hajj Mamad à Koweït, comment s'appelle, dans leur pays, au Cameroun. Il avait dit non, on n'a pas besoin. Après, je lui ai dit pourquoi. Il m'a expliqué, il m'a dit parce que l'argent, ça ne facilite pas de tablir chez nous. Au contraire, ça pose des problèmes. Là, on est tous gentils, contents, ensemble. Par exemple, on est 10 personnes responsables de l'association, on va dire comme ça. Tout d'un coup, quelqu'un appelle et dit « J'ai 5 millions d'euros pour vous, pour votre association. » Regarde les yeux, comment ils commencent à briller. Regarde comment les comportements ils commencent à changer. Qui va prendre le tendard? Hier, il disait « Moi, je n'avais pas de responsabilité. Moi, juste, je vous aide de loin. » Aujourd'hui, il dit « Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai vieilli dans cette association. » Allahu Akbar. Voilà. Il y a plus de cheveux dans cette association. Et maintenant, tu me parles que toi, tu n'étais pas là. J'étais là et je suis là et je resterai là pour Allah. Et entre parenthèses, pour les 5 millions. Qui va venir? L'argent, il fait des miracles. Absolument négatif, pas positif. Surtout si la personne ne s'est pas préparée, il n'a pas travaillé sur son âme. Également, entre la femme et l'homme, ce n'est pas notre sujet, je ne vais pas m'éloigner, ce n'est pas bon. De séparer la vie au niveau d'économie entre l'homme et la femme. Ça, c'est parmi les points importants, garder et mémoriser, inshallah. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصية للمجتبى عليه السلام
وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل. Il va me dire tout de suite, mes chers, tu racontes des choses des siècles précédents. C'est quoi si tu peux que ta femme ne connaît pas des hommes à part toi, fais-le. C'est mieux qu'elle ne connaisse aucun homme à part toi. C'est mieux, je n'ai pas dit obligatoire. Ce hadith, il dit c'est mieux si tu peux. N'aie pas laissé ta femme connaître des hommes à part toi, c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est quoi le problème? Même dans la société française, une femme qui est mariée, elle travaille. Si elle est considérée très très respectueuse, bourgeoise, à la hauteur, savante, sage, est-ce qu'il va faire connaissance avec tous les hommes de la société où il travaille? Elle doit parler avec tout le monde. Au contraire, elle est considérée beaucoup plus respectueuse quand elle dit bonjour et elle passe, sans trop fréquenter chacun. Et dans les sociétés, celui qui est bavard, c'est pas bien vu. C'est mal vu. Demandez aux gens qui ont travaillé déjà dans les sociétés, dans les bureaux administratifs, etc. Celui qui cherche à connaître toutes les filles et les hommes de la société, ou au contraire, c'est considéré mal, c'est mal vu. Celui qui met sa tête dans son travail, sans beaucoup de relations à droite, à gauche, c'est mieux. Mais l'islam, c'est beaucoup plus que ça. L'islam, il veut protéger ta femme elle-même. Il veut protéger ta famille, il veut protéger ta maison. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point, je passe. Mais réfléchissez. Réfléchissez sur cette question. Pourquoi c'est mieux que la femme, elle ne fait pas beaucoup de connaissances avec les autres hommes? Il y a beaucoup de choses à dire, je passe. على المؤمن أن يكون غيورا. C'est quoi la question de jalousie? L'homme, il doit être jaloux par rapport à son épouse. Et c'est considéré iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sa'ad, il était ghayour. Moi, je suis plus ghayour. Mais le terme jaloux, peut-être, c'est pas bon. En français, c'est un terme négatif, n'est-ce pas? Jalousie. Est-ce qu'on peut donner une. Est-ce qu'on peut prendre la jalousie, le terme jalousie, comme quelque chose de comme qualité? Apparemment, non. En arabe, si. En arabe, quand on dit rira, il y a deux aspects de rira. Il y a rira positive, il y a rira négative. Rira négative, c'est surtout chez la femme, quand elle est trop jalouse. Comme une des personnes que je connais, un homme, il m'a dit, tu ne peux pas croire, cher. Je dis, c'est quoi? Il m'a dit, je marche avec mon épouse. Si elle voit une femme mal habillée, elle ne regarde pas la femme, elle regarde mes yeux. Ça veut dire, on marche dans la rue. N'importe quelle femme, si c'est très mal habillée, elle a quelque chose que ça peut attirer, par exemple, je ne sais pas, astaghfirullah. Donc, elle regarde tout de suite mes yeux. Est-ce que je regarde? Elle ne regarde pas la dame, non, elle s'en fiche. Et il m'a raconté d'autres choses, c'est un peu misérable, c'est pas la peine de vous raconter. Donc, ça fatigue. Parce que l'homme, il n'est pas malade, il devient malade. L'homme, il est honnête, il devient malhonnête. Etc, etc. Ça, c'est mauvais. Maintenant, l'homme, il est jaloux avec son épouse. La même chose. Si c'est Ghayra Fi Mahalleh, c'est très mauvais. Je connais des hommes, malheureusement, ici en France, on a entendu qu'il prisonne sa femme. Tu sors pas. Et quand on lui parlait, à travers certains frères, il dit, moi, j'ai pas de confiance. Subhanallah. Pourquoi tu vis avec elle si tu n'as pas de confiance? C'est quoi cette vie? Tu vis avec une personne que... C'est le premier pas vers la réussite. Donc, quelle époque nous vivons? Quelle mentalité nous avons? Mais il y a des degrés de jalousie, ou j'aime pas dire jalousie, j'aime dire rira, plutôt parce que c'est positif, c'est que l'homme, il n'aime pas que sa femme rigole avec les autres.
Il n'aime pas que les autres hommes disent oui, ta femme, elle a telle qualité, telle qualité. Il n'aime pas entendre ça. Surtout si c'est des qualités spécifiques pour les femmes. Pas question, par exemple, savoir. Parce que des fois, quelqu'un il dit à un homme, à son frère, il dit, Masha'Allah, Allah t'a donné une femme qui a beaucoup de connaissances sur la jurisprudence. Ce n'est pas un problème. S'ils abusent, c'est un problème. Mais normalement, ce n'est pas un problème. Masha'Allah, Allah, il t'a donné une femme qui a beaucoup de connaissances au niveau de l'ilm, din, etc. Ou informatique. Ou, donc, elle peut nous aider, elle peut... Oui, ça n'y a pas de problème. Mais, Masha'Allah, Allah t'a donné une... Je ne sais pas, j'aime pas dire. Voilà, il l'a dit. Ça, c'est le pire. Et l'homme qui accepte d'entendre ça, il a un problème. L'homme qui accepte d'entendre d'autres hommes dire ça, ta femme, elle est, par exemple, elle a la beauté, elle a des choses comme ça, ça soit quoi que ce soit, c'est un grand problème. Et là, j'insiste sur ce point. Frères, faites attention. Ne soyez pas parmi les hommes qui disent à son ami, je me suis marié avec une femme très belle. Ça, c'est hamaka. Je suis désolé pour le terme, mais je vais être clair avec vous. L'homme ne dit pas devant des autres hommes, je me suis marié avec une femme très, je ne sais pas quoi. Et ça, aujourd'hui, on entend beaucoup dans certains environnements, malheureusement. Et arabe, surtout. Où il y a peu de haya et pudeur. Les séries télévisées, c'est le pire qui est en train de gâcher notre société, déchirer notre société. L'Irak, le monde a offert l'Irakien. Il y a 10 ans, comment ils étaient aujourd'hui commencés. Ça choque. L'Irak, oui. Liban, malheureusement, avant l'Irak. Il a été influencé. En général, je ne parle pas de taille des gens, chaque personne, individu, chaque individu. Non, mais généralement. Il y a un problème. Tu vois une femme, elle part avec un homme et dit « Écoute mes yeux, écoute mes yeux », c'est-à-dire il s'adresse à l'homme et dit « Ya'ayni » ou « Ya'ayouni ». C'est la honte. Comment tu dis à un homme « Écoute-moi mes yeux ». Même les Français ne le disent pas. Est-ce que les Français existent? Moi, j'ai jamais entendu. S'il le dit, ça veut dire il le veut, ça veut dire il dit quelque chose qu'il croit. On ne peut pas dire, écoute-moi mes yeux, et après dire, non, 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 c'est comme, on est comme des frères et sœurs, ça n'existe pas ça. Donc il y a des choses vraiment au milieu des gens pratiquants, et malheureusement, ça arrive des choses. À la colonie, il y a beaucoup de choses à dire. وعليه أن لا يحبسها بالمرأة وأما كيفية معاشرتها فخير الأمور أوسطها وإن كانت مجالسة النساء مطلقا مذمومة في الأخبار. Aujourd'hui, on termine avec question de responsabilité de la femme. Et demain, inshallah, on prend les enfants. Donc, avec cette phrase, je termine. Il dit, à la base, dans les hadiths, on a des hadiths qui disent que c'est mieux de ne pas beaucoup fréquenter les femmes. Ça veut dire l'homme, il ne doit pas trop s'asseoir avec que des femmes. D'accord? Un homme à la faculté, il doit avoir des amis hommes. Bon, ce n'est pas un problème si une fille il lui pose une question, il lui répond. Ce n'est pas un problème s'il n'a pas de mauvaises intentions. Ça, c'est en dehors de notre sujet. Mais je vois des fois des hommes à la faculté entourés par cette fille. Comme une star, en fait. Un star, plutôt. C'est ça? Il se croit le roi de je ne sais pas quoi, de ses rêves, entre 7 filles ou 8 filles. Lui, au niveau mental, au niveau de comportement, petit à petit, vous allez trouver quelque chose de très bizarre chez lui. Dans les hadiths, c'est très très mal vu. Est-ce que je peux m'asseoir avec mon épouse dans ce cas-là? Oui, ton épouse, c'est l'exception. Tu peux avoir des discussions et mettre du temps, absolument, sans aucun problème, mais pas avec les femmes s'asseoir et s'habituer à avoir des réunions avec que des femmes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة إلهي بمحمد وعلي وفاطمة
والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه، اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان يا الله، إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، العلماء والشهداء والصالحين، شهداء البحرين، شهداء العراق، شهداء اليمن، شهداء باكستان، أفغانستان، إيران، شهداء بلادنا الإسلامية. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.